Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît.
pas du petit tabac, que j'ai assisté à la race à côté de Longo, vice-président de la Fédération guinéenne des sports scolaires. D'accord. Ce matin, nous sommes là tous mobilisés pour accueillir le chef de l'État. Après un sommet historique, dites-nous, de votre côté, quel a été votre. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être là ce matin? D'abord, vous savez, la priorité du CNRD, les 5R, on parle du repositionnement. Aujourd'hui, c'est les 5R pour faire sorte que la Guinée s'est repositionnée sur le plan international. Le président de la République était en Russie, aux Nations Unies, en Rwanda, dans beaucoup de pays. Ça veut dire que la Guinée est sur la scène internationale aujourd'hui. Ça, c'est un atout. Grâce à son leadership, le leadership du président de la République, donc nous sommes là pour l'accueillir, pour remonter l'ascenseur, et la honorer la Guinée. Donc, si nous sommes là, c'est par rapport à ça, et l'accueillir, montrer notre soutien, notre détermination. Vous savez, ce président est de notre génération. C'est un président jeune qui a honoré cette génération par rapport aux actes. Vu le projet Simandou, Bikana, et à travers la nomination aussi du ministre de la Jeunesse et des Sports, vous avez vu que vraiment, met en priorité la jeunesse guinéenne. Et c'est ça notre vision du souci. Donc on remercie le président de faire porter sur cette génération. Nous allons l'accompagner jusqu'à son objectif final. Est-ce que pensez-vous que le projet Simandou 2040 peut être profitable à la jeunesse guinéenne? Je vais vous dire, c'est le projet phare de l'Afrique aujourd'hui. Le projet Simandou, c'est le plus grand projet aujourd'hui de l'Afrique. Et vous avez vu le président en Chine, il a rencontré les grandes entreprises là-bas par rapport au projet Simandou. Et ça va aider la jeunesse, ça va développer ce pays qui a tant souffert. Hein, depuis 64 ans d'indépendance, ce pays est en train de souffrir. Aujourd'hui, la ville pisse au bâton de Plérin pour sortir de la Guinée dans la pauvreté, donner des infrastructures à cette jeunesse, au peuple de Guinée. Et nous sommes là pour ça. Et surtout, vous les médias, on vous invite de passer le message qu'il faut, le message de paix, le message de développement. Concentrons-nous sur le consensus pour développer maintenant ce pays-là. Et ce président, c'est ça sa vision. Vous avez remarqué, il ne parle pas beaucoup. Hein, il se concentre sur des actes. Et ces actes-là sont palpables à la population, d'accompagner ce jeune président qui fait partie de votre génération et de notre génération. Accompagnons-lui pour vraiment sortir de ce pays dans l'ornière. Merci, Jordan. Let's go.